I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Énorme cochon devant moi. Malheureusement, le cochon marron vient de partir. On a fait une approche de 600 mètres à 30 mètres. Malheureusement, une fois sur la cale, le vent a tourné. Ce sont des choses qui arrivent. Là, tu peux tirer. Suis-le. T'as le temps. Suis-le. T'as le temps. Tu vois là dans la lunette ? Tu peux le tirer là derrière. Derrière l'épaule. Attends qu'il avance. Il est trop barré avec le biche. Attends, tu vois le petit flou devant. Attends. Tu attends qu'il s'en aille. Maintenant, tu peux. Ferme, garde-le en respect. Il est tombé. Garde-le en respect, juste s'il se relève, il n'ira pas loin. Un homme heureux ? Ouais, ça. Deux hommes heureux. Exactement. Pourquoi un ? Deux. Ouais, même trois avec Sébastien qui nous accompagnait. Super serre, bien mérité. On a passé combien de temps derrière ce petit atypique ? Peut-être 30 minutes. Largement. Et un coup, je te dis tire. Un coup, je dis attends, laisse-moi le temps de le voir de face. Et puis, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment un vieux cerf. Il a l'air d'avoir les meules en toit et tout, mais son comportement, son corps me fait penser à un cerf 5 ans, mais qui a de la masse, mais qui a mal poussé. Peut-être une fracture sous pivot à gauche, et à droite, il est moins massif quand même. Et sa masse à sa gauche est due à son andouillé qui est très bas. Donc c'était un beau cerf à tirer, mais quand on a quelqu'un qui fait le voyage pour faire un si long voyage pour prélever un cerf médaille d'or, peu importe la médaille, mais une belle approche, une belle chasse et tout, là, on en a eu plein les yeux. C'était un cerf qui bramait. Il y avait deux cerfs qui bramaient, on les entend de très loin, on fait une approche et tu le tires à combien ? C'était 80. 105 mètres. Ah ouais, 105 mètres, tu vois, je pensais un peu plus court, mais le cerf s'écrase sur place, c'est ce qu'il faut, maintenant. Bon travail de guide aussi. Hein. Merci, je te laisse l'honneur d'aller le voir, mon ami. Il est tombé dans ses traces. On va lui donner, comme d'habitude, les dernières mangeurs. Je vais te demander le soin de prendre une des mangeurs pour les mettre dans la bouche, s'il te plaît. Et ensuite, on va mettre. Ça, c'est pour toi.
pour mettre sur ton chapeau, sur ta casquette. Et se souvenir de qui est l'heureux élu aujourd'hui. J'ai adoré, c'était vraiment des moments inoubliables. L'approche, les gens qui m'ont accompagné, les gibiers qu'on a vus, les sangliers, les cerfs, les biches, le paysage, malgré la pluie, c'était vraiment une expérience unique. Et un grand merci. Ben merci à toi surtout d'être venu. C'est ce qu'on a l'habitude de dire à nos clients. Si vous faites pas le pas, vous franchissez pas le pas de venir une fois à Maurice, vous n'auriez pas pu avoir la chance de collecter un cerf comme ça. Donc félicitations. En plein brame. Hein. En plein brame. Si on reste à la maison, on ne peut pas tirer. Exactement. Venez nombreux.